Odi, sois salué. Mon petit frère, Cissé Bakongo, sois salué. Bonsoir, je vous laisse le temps de partager ma vidéo. Hein. Vincent de Paul, sois salué. Fricoto, sois salué. Je vous laisse le temps. On va s'entretenir un tout petit peu. Et puis, on va se dire au moins une demi-heure. Donc, je vous laisse le temps de la partager. C'est pour ça que je ne dis rien et je vous regarde. Je suis en train de noter un truc là. Bimat, sois salué. Ange Bolo, soyez salué. Vraiment, je vous salue tous, hein. Ma Juju de moi. Bonsoir, bonsoir. Kwasi, Odi, sois salué. Vraiment, je ne vous avais pas dit, je veux profiter de mon direct là pour que vous puissiez dire merci au frère Odi Kwasi. Vous savez que quand j'ai eu mes moments très très difficiles et que je suis rentrée, je suis là et puis mon fils me dit, ah, maman, j'avais rendez-vous avec Tata, mais Tata, elle n'était pas seule. Elle était avec un monsieur. Et ils m'ont donné une enveloppe pour toi. J'ouvre l'enveloppe et le frère Odi Kwasi, je ne l'ai jamais vu en vrai. Je ne l'ai jamais vu en vrai. Sois salué, Ahmed Bamba, sois salué. Je ne l'ai jamais vu en vrai. Et puis mon fils, il me tend, c'était le 21 ou le mois d'août, quand je rentrais d'Abidjan là. Et mon fils me tend une enveloppe. J'ouvre 200 euros. Et le frère Audi, je l'ai connu au moment où. Sois salué, ma grande soeur Charlotte Coin. Sois salué. Je te salue. Et je l'ai connu au moment où on vendait les t-shirts, les pagnes du retour du président Laurent Gbagbo. Mais je ne l'ai jamais vu en vrai. Et ce frère-là m'a fait la grâce de me faire un don de 200 euros quand j'ai eu les moments les plus difficiles. Donc, j'ai jamais eu le courage de vous dire ça, de dire que Audi m'avait fait un don de 200 euros. Je veux profiter de ce moment-là pour lui dire merci et que rien ne manque à sa maison. Vous savez que hier, c'était la nuit du destin. Donc, je suis Gagou, Bété Maoka. Donc là, ce soir-là, je suis sortie un peu, aller prendre un petit verre. Mais je voulais me mettre dans cette tenue. Vous voyez? Je voulais mettre la tenue là parce que c'est un cadeau qui me tient. Vous voyez? La bonne qualité, hein? C'est de la dentelle. Dernier cri, la bonne qualité. Ma copine m'a dit, mais elle dit, ah, il faut. Donc, on est parti prendre un petit moment. Et puis, je me suis dit, avant de me changer, de passer à autre chose, je vais vous montrer mon boubou, la dentelle. Et puis, je vous salue.
Vraiment, ce soir, j'aimerais vous dire bonsoir, j'aimerais vous saluer et vous dire merci de prendre du temps pour m'écouter. Et puis, je veux parler vraiment un peu avec vous. Et puis, on va se séparer. Mais pour commencer, en fait, je voulais parler surtout, soit saluer Yobo. Claude Yobo, soit salué. Je suis au Gadabou, la mer. Donc, je veux profiter, comme je l'ai dit, vraiment, je dis merci au frère Andy Kwasi. Merci à toi. Merci, merci, ma grande soeur, merci. Vous voyez, regardez ma grande soeur, Charlotte Coin. Elle est du RHTP, moi, je suis du PPACI. Et puis, il n'y a rien, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et donc, je disais que je profite pour dire merci encore une fois de plus aux camarades, aux frères. Odi Kwasi, merci à lui, merci à son épouse, merci à toute sa petite famille. Et puis, je veux profiter, j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de le voir, de voir lui aussi et son épouse, parce qu'au moment où on vendait les pagnes du président Laurent Gbagbo, on vendait tout, il a acheté pour lui et son épouse. Donc, Madame Kwasi, je veux vraiment te dire merci. Tu as un bon mari, il faut que tu pries beaucoup pour lui, moi aussi je prie pour lui, que, pour que votre demeure ne se désemplit pas de grâce et de bonté. Donc, je vais vous saluer. Je veux... Hey, mon fils! Oh, mon fils, je suis sapé des... Tu as vu, non? Ça, c'est... J'ai mis plus en valeur le côté maouka. Aïe! Le goût de ça. Je suis sortie avec une amie, là, on est parti se faire joli, joli quelque part. Et puis, je lui ai dit, attends, j'ai porté ça parce que ça me tient. Depuis que je l'ai cousu à Abidjan, je ne l'avais jamais porté. Et c'est un cadeau qui me tient vraiment à cœur d'une personne comme ça. Donc, je voulais le mettre aujourd'hui pour me faire plaisir à moi-même d'abord et puis pour faire plaisir à tout le monde. Et puis, c'est bien de temps en temps. Vous savez, hier, c'était l'anniversaire de ma fiole. C'est la première fiole que j'ai en Europe. Et puis, ça m'a fait plaisir hier. Quand je suis partie, je l'ai vue. Elle a 5 ans. Je me rappelle quand elle naissait à l'hôpital Port-Royal. C'est moi qui lui ai donné le premier bain. Ça m'a fait tellement plaisir que Ephraim Kobri, qui est un ami, qui est un frère, malgré parfois, souvent, des prises de position, nous sommes opposés dans beaucoup de choses. Il y a eu même des fois, même je l'ai nommé dans mes vidéos. Mais Ephraim, il reste quelqu'un comme ça parce qu'il m'a fait le plus beau cadeau en me disant qu'au-delà de tout ce qu'on peut traverser, de tout ce qu'on peut dire, je demeure la marraine de sa fille. Et c'est avec un réel plaisir. Hier, j'ai revu ma filleule parce que l'année dernière, on n'a pas pu, il y avait la COVID, tout et tout. Chaque année, quand même, je viens avec un petit gâteau pour partager. Je voulais dire merci aussi à toutes les personnes qui étaient présentes. Et je veux dire merci à Ephraim Kobri pour l'honneur qu'il me fait, pour la gentillesse qu'il a pu me faire d'être la marraine de sa fille. Vraiment, c'est un honneur. Et je pense que Dieu me donnera la force pour que je puisse aller jusqu'au bout. Sinon, à Abidjan, là, si c'est les fioles, les trucs, Jeannette, j'ai tellement de filles. Moi, ma première filleule, elle doit avoir une vingtaine d'années. Donc, je veux dire merci au frère Ephraim et dire merci à ma championne opportune. Merci à tous ceux qui étaient là-bas hier. C'était un bon moment. Avant de commencer mon échange, je vous annonce que le PPACI, parce que j'allais partager avec vous le discours du président Laurent Gbagbo, le discours du secrétariat extraordinaire qui a eu lieu le 26, le mardi 26 au Sofitel, je voulais vraiment, vraiment, vraiment partager ce discours avec vous. Vous savez, c'est pour cela que j'ai gardé ma tenue pour pouvoir parler de ce discours. Parce que quand j'ai lu le discours du président Laurent Gbagbo, la dernière fois, c'est vrai que je n'ai pas mis la manière, j'ai parlé fort. Et j'ai mes mamans, mes mamies, tout ça là qui m'ont appelé pour me dire que c'était dur, j'ai dit ok. Mais le président Laurent Gbagbo, en fait, ce que j'ai dit dans ma vidéo quand je parlais
au PPACI, le président Laurent Gbagbo, je dis, quand j'ai lu tout le discours là, il a dit ce que j'ai dit, mais peut-être que moi je n'ai pas eu la manière. Et je voulais partager ce discours avec vous. Et je voulais dire que c'est pour cela, je ne sais pas, les gens me disent, mais oui Arlette, les gens te donnent des informations pour attaquer ça. Non, je le dis et je l'ai toujours dit. Le discours qui m'a marqué chez le président Laurent Gbagbo. Oh, merci, Matt. Merci. Merci, merci. Merci à toi. Merci. Merci, c'est gentil. Mais partagez la vidéo parce qu'on n'est pas assez. C'est pour ça que je traîne un peu pour qu'on arrive au moins à partir de 50, 60. On va développer le sujet pour ne pas rester longtemps. Donc, essayez de partager la vidéo. Essayez de mettre dans les groupes pour que le nombre puisse monter et pour que l'échange soit partagé. J'ai toujours dit que c'était à l'occasion de la fête de la liberté. J'étais convaincue de l'homme dans les années 70, ouais, 90, pardon. Et puis, à la fête de la liberté, à Trècheville, au palais de Trècheville, au palais des sports de Trècheville, là, à la gare de Bassam, là. C'est là qu'on a fait la fête de la liberté. On a marché du carrefour vers la Rane, là, où il y avait l'hôtel, le restaurant à Boussouan. On a marché jusqu'à aller au palais. J'étais jeune encore. Et j'ai écouté le discours de l'homme. Ça, depuis ce jour-là, ça m'a plu. Moi, je ne suis pas militante employée. Quand je dis bien militante employée, c'est quoi? Ça veut dire que tu fais une opportunité, tu crées un chemin, tu es dans le parti, et puis tu es dans le parti par intérêt. Ça veut dire que tu t'arranges à t'accrocher aux gens pour un intérêt, pour que tu aies une petite place. Ça veut dire que ça, c'est militant. Ouais, c'est-à-dire que tu cherches, tu ne mobilises pas, tu ne fais rien. Tu es nommé et puis tu as les royalties de ça, de ceux. Ah, Ahmed Sangaré, salut mon importé. Comment tu vas, camarade? Comment tu vas, frère? Et puis, tu es dans le parti. Mais tu arrives à te faufiler parmi les mailles du parti parce que tu es opportuniste et tu arrives au bon endroit. Et puis, il y a des gens qui aime un homme politique, pas parce que ils vont être nommés directeur, secrétaire, tant, mais ça veut dire qu'ils ont été conquis par l'aspect politique, ce que dégage la personne, ce que propose la personne, et ces personnes-là n'arrivent pas à se détacher de l'homme politique. C'est moi. Je veux vous saluer. Avant de commencer, vous savez que il y a un deuil qui a frappé le PPACI ce matin. Un grand maître qui était autrefois vice-président des tests et des statuts, qui est dans le conseil stratégique et politique du PPACI, maître Kwasi Kwaku. On a perdu. J'ai essayé de me renseigner. D'autres disent. Et puis bizarrement, le 26, là, je l'ai vu, il était à l'hôtel Ivoire. J'ai vu qu'il était parmi ceux qui étaient à l'hôtel Ivoire, pour la rencontre de l'hôtel Ivoire. Mais malheureusement, Dieu a demandé autrement. Et puis, que son âme repose en paix. Que Dieu console sa femme et ses enfants. Et que Dieu lui donne la paix. Et que, c'est paradoxal, quelqu'un qui a une spécialité, qui est grand formateur, qui politiquement, qui s'est battu aux côtés du président Laurent Gbagbo et qui a eu la chance, et son combat n'est pas resté vain. Il a vu en direct le retour du président Laurent Gbagbo. Il était anciennement président de la commission statut et règlement intérieur du parti. Vous savez, souvent, il y a des choses qui s'expliquent spirituellement. Lorsque
les jours là, il y avait une tension pour les élections, on sort. C'est-à-dire qu'on avait ébauché le règlement, les statuts du parti. Et au moment où on rend officiel, ça veut dire que on rend officiel les statuts et les règlements du parti, parce que moi, ce papa-là, je ne le connais pas, Maître Kwasi Kwaku. Les gens m'ont parlé de lui. Ah, Arlette, c'est un cerveau, c'est un grand formateur, c'est ceci. Les gens ne m'ont fait que parler du bien et qui connaît les tests. C'est vraiment, c'est un formateur hors pair. Et la semaine dernière, bonsoir Jacques, comment vas-tu? La semaine dernière, on donne les statuts, on rend officiel les statuts du parti, matérialisés, et la semaine qui suit, il décède. Ça veut dire que il sera toujours un des cerveaux, le poumon, parce que il a fini, il a peaufiné son travail avant de partir. Donc que la terre lui soit légère, que vraiment il y a accord à son épouse, à sa famille, à ses enfants, et dire à ses enfants que c'est un grand homme, c'est un homme de paix, un homme de démocratie, un homme qui s'est battu pour son pays et qui a continué à se battre, mais malheureusement qui nous coûte, qui nous quitte en cours de chemin au moment où nous rentrons en plein. Chers amis, chers frères, partagez ma vidéo pour que nous puissions lire ensemble le discours du président Laurent Gbagbo, le discours du mardi là. On va lire ça ensemble. Section extraordinaire du secrétariat général du PPACI. Mardi 26 avril 2022, discours du président Laurent Gbagbo, président du PPACI. Merci, chers camarades. Nous voici enfin à cette saison extraordinaire du secrétariat général. Elle est élargie à tous les dirigeants, d'abord au CSP. CSP, c'est quoi? C'est le Conseil stratégique et politique du PPACI. Puis à toutes les candidates et à tous les candidats des ligues des femmes et des jeunes. Merci, chers camarades, d'avoir répondu si nombreux à ma convocation. Je ne vais pas vous décliner l'ordre du jour habituel cette fois. Nous nous apprêtions à faire élire les responsables de la Ligue des femmes et de la Ligue des jeunes quand une décision du comité de contrôle est tombée. Nous renvoyant au respect de nos tests, je remercie le comité de contrôle qui a fait son travail. Le comité de contrôle a été créé en 1990. C'était la première fois qu'un parti en Côte d'Ivoire crée un organe pour le respect de ses tests. Awa Don Mello a été le premier président pour des raisons diverses que je ne vais pas citer ici. Il y a eu une véritable guerre entre lui et moi, qui était le secrétaire général. On ne s'entendait pas à des périodes. Souvent, on s'entendait et il y avait des conflits perpétuels. Cette situation est passée et nous avons appris à vivre avec le comité de contrôle. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le tuer. Je voudrais vraiment, de mon point de vue, remercier le comité de contrôle qui nous a envoyé à la saine lecture de nos tests, ce qui veut dire qu'il faille que nous fassions tous attention à ce que nous écrivons. Il faut que nous regardons ce que nous écrivons et que nous assurons que nous sommes suffisamment capables de respecter les prescriptions que nous écrivons. C'est la façon principale qu'il faut tirer. Si vous écrivez une constitution et que vous inscrivez que le candidat à la présidence devait être mort et ressuscité, évidemment qu'au dépôt des candidatures, le président du Conseil constitutionnel vous donnera de fournir votre certificat de résurrection. Donc, il faut que celui qui est écrit soit respecté. Ou bien dit, ce qui est écrit, et ce qui est écrit est en mesure d'être respecté. Ce qui n'est pas au comité de contrôle la faute, mais plutôt à nous qui avons pas suffisamment respecté les tests, parce que les tests,
c'est nous qui les avons faits. C'est nous qui les avons faits et mis dans les mains du comité de contrôle. C'est nous au Congrès qui avons adopté et mis à la disposition du comité de contrôle. Tout est-il qu'après la décision, il n'y a pas eu d'élection. Mon rôle en tant que président du parti est de faire vivre néanmoins le parti. Il n'y a pas d'élection des directions des ligues des jeunes et des femmes, mais la vie du parti continue. Et il faut que les femmes et les jeunes continuent d'être organisés. Je vous ai donc invité aujourd'hui pour vous proposer les mesures palliatives pour que malgré ces rejets, nos ligues continuent de vivre et que nous nous donnions un délai pour répondre aux questions du comité de contrôle. Oui, parce qu'il faut répondre. Il faudra un jour que les bases décident et qu'ayant décidé, elles envoient elles envoient des délégués qui élisent. Or, tant qu'on n'a pas les bases, on ne peut pas répondre aux questions soulevées par le comité de contrôle. Nous allons donc nous donner le temps de mettre les bases. Mesdames, Ligue des femmes, messieurs, Ligue des jeunes, les candidats restent candidats sauf pour ceux que le président aura appelés à d'autres fonctions dans cet intervalle. Le processus continue jusqu'à ce que nous remplissions les conditions de l'élection régulière de nos ligues. Je disais que les candidats et candidats demeurent candidats. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons un problème en plusieurs points. Est-ce que les bases sont toutes installées? Est-ce qu'elles sont en mesure de nous envoyer des délégués? Le président exécutif et le secrétaire général, vous avez vos appareils, vos machines. La question se pose à nous tous. Mais moi, je la pose principalement à vous. Il faut parcourir la Côte d'Ivoire pour mettre en place les structures de base. Ouh, c'est la partie la même qui a fait que je dis, je vais venir vous parler. C'est cette partie-là. Il dit, il faut parcourir la Côte d'Ivoire pour mettre en place les structures de base. Il faut parcourir les structures de base. On aura des pannes comme celle-ci. Elle est une panne dans notre fonctionnement, mais elle se répétera tant qu'il n'y aura pas des structures de base. Messieurs le secrétaire général et le président exécutif, il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se batte pour que les structures des bases soient installées. J'ai vu dans certains fonds, j'ai vu que certains font des efforts. J'ai vu Issa Malik et Soro Coton par l'intermédiaire de notre TV, PPACI TV. Je les ai vus arpenter les terres du Nord. Mais il faut que tout le monde en fasse de même. Il y a des terres qui sont assez proches d'Abidjan que personne n'arpente. D'autres terres plus lointaines comme Odienné. Je n'ai pas d'écho. J'ai eu l'écho de deux discours à Odienné et Sinimantiali, mais depuis silence. C'est un silence total. Même à Gagnoua, Guibéroua, on ne met même pas les structures en place. Pourquoi? Je n'en sais rien. Pourtant, il suffit d'aller là-bas en week-end. Il suffit d'aller là-bas en week-end pour que les gens mettent les structures en place. Donc, les structures de base ne sont pas mises en place. Est-ce que les décisions du comité de contrôle nous rappellent? Le comité de contrôle n'est pas un organe méchant qui vient retarder notre bonheur. Il nous dit plutôt que le comité de base ne sont pas installés, donc on ne peut pas procéder aux élections. Simple compréhension. Il y a aussi le comité électoral qui doit faire son travail, mais qui ne peut pas le faire que si l'engrais est mis en terre. On ne peut pas enjamber. Écoutez-moi cette partie. Oh là, my God. On ne peut pas enjamber. On ne peut pas dire qu'on a mis des comités en place. On dit élection présidentielle. On va. Élection présidentielle.
va avoir lieu en Côte d'Ivoire et que le président de la CEU y est en vacances. Mais est-ce que... Mais ça ne fait rien. On le fera quand même, les élections. Vous comprenez ça? Mais nous allons tous crier au scandale. Le comité électoral, il faut qu'on le mette au travail, chers amis. Il faut le mettre au travail, mais pour qu'on le mette au travail, il faut que l'engrais soit mis en terre. Nous étions prêts. Je t'ai rentré d'Abidjan, exprès. Je croyais pouvoir échapper à la tourmente des élections des dames et des jeunes. Après la visite de l'Ouest, je me suis arrêtée chez moi, au village. J'ai pris quelques jours de vacances, précisément les jours où les élections devraient avoir lieu. Mais finalement, rien ne s'est passé parce que le comité de contrôle est venu nous rappeler à l'ordre, chers camarades de l'école du parti. Il faut multiplier les cours pour que tout le monde comprenne ce que sont les statuts et les règlements intérieurs. Je me réjouis que tu veuilles lancer tes activités, c'est bien. Mais je crois que le nouveau départ que nous avons pris en lançant ce parti ne soit pas un bon départ. Il faut que ce soit un bon départ. Il faut que nous fassions les choses dans l'ordre. Que ce soit les choses dans l'ordre qui nous ont permis d'arriver au pouvoir. Parce que certains ne devront jamais arriver au pouvoir. Étant donné que nous n'étions pas des gens de premier cercle, des gens du pouvoir. Avant, il y avait le pouvoir et les autres citoyens. Il y avait les uns, il y avait les autres. Nous étions les autres. Mais on s'est battu longtemps pour que les textes soient respectés. La première constitution de la Côte d'Ivoire, en son article 7, prévoyait le multipartisme. Donc nous avons crié qu'il fallait respecter la constitution et force de crier, on a fini par nous entendre. Quand nous écrivons dans la constitution qu'il faille que le multipartisme et la démocratie existent, nous ne pouvons plus empêcher quelqu'un de parler de constitution. Nous ne pouvons plus empêcher quelqu'un de dire qu'il faille le pluralisme. C'est vous qui avez écrit, pas lui. Moi, j'avais 15 ans en 1960. Donc, il faut écrire ce qu'on écrit. Il faut bien enseigner ce qui est écrit, ainsi que le comité de contrôle n'aura pas de travail. Si tout est clair et que nous marchons clairement, selon les textes écrits, ils ne vont plus nous embêter. Si tant qu'il est, nous embête. Je voudrais vraiment dire merci au comité de contrôle, ce qui nous permet de faire cette réunion et de mettre les choses au clair. Mais avant de faire les propositions, j'aimerais dire merci à nos camarades du pays Ouai, du Cavalier du Guémon. La visite de compassion que nous avons faite là-bas a d'abord montré la vitalité de notre parti dans cette région et a montré aussi que les gens ont souffert de ce côté de la Côte d'Ivoire. Ils ont souffert plus que d'autres qui crient à la victimisation. Les camarades de là-bas se sont organisés, ont travaillé pour que chaque minute que nous ayons passée soit rentabilisée. Je vous remercie. J'ai fait un communiqué pour vous remercier. Mais pour la première fois que nous nous rencontrons, il est bon de le dire, tous les camarades qui étaient là-bas avec nous ont vu. Je vous remercie. Il nous faut maintenant régler le problème de calendrier. Les dames auront leur élection et les jeunes auront leur élection. Mais les élections devraient avoir lieu, ont été suspendues. Donc, après réflexion, je donne au maximum 6 mois à la direction du parti pour mettre toutes ces structures de base en place. Je vous donne 6 mois pour qu'on soit dans les normes. Mais en attendant, il va falloir que la Ligue soit dirigée. Nous allons donc mettre des directions de transition chez les jeunes, comme chez les femmes. Cette transition va durer 6 mois. Si au bout de 6 mois, nous nous rendons compte que ce n'est pas effectif, on renouvellera une seule fois. Et j'espère pour une seule fois.
Pour cela, j'ai pris des contacts, j'ai discuté avec les uns et les autres, les jeunes et les femmes, pour nommer des directions de transition qui vont se charger de mettre en place les structures de base. Mais attention, les membres de la direction de transition ne pourront plus être candidats. J'ai été clair dessus dans la discussion que je mène, tout simplement pour des problèmes moraux. Ainsi, pour la Ligue des femmes, je vous propose en qualité de présidente intérimaire la camarade Apo Gisèle Yapi, de première vice-présidente intérimaire la camarade Namizata Fofana, et de deuxième vice-présidente et le porte-parole intérimaire la camarade Ipou, épouse Agodio. Pour la Ligue des jeunes, je vous propose comme présidente intérimaire la camarade Lagui Zadé. En fait, c'est Zaté, c'est Lagui Zaté et Eden Nova. Elles nous compléteront avec elles pour former un bureau intérimaire. Voilà les propositions que je suis venue vous faire ce matin. Il s'agit de direction de 6 mois. Il faut bien l'entendre, on ne nomme pas ici les présidents. Ce sont des présidences intérimaires de 6 mois. Pendant ce temps, le travail sur le terrain devra se faire. Au bout de 6 mois, on doit avoir des résultats. Donc voilà, chers amis, chers camarades, voici ce que je voulais vous annoncer. Je demande aux camarades de choisir de se mettre immédiatement au travail dès la fin de cette réunion avec la direction du parti, le secrétaire général et le comité électoral. J'ai fini. Merci. Merci, chers amis. Merci. Vous savez, le président Laurent Gbagbo a tout dit. Hein. Le président Laurent Gbagbo, dans son discours, là, il a tout dit. Je suis contente. Je suis contente. Peut-être que le ton que j'ai formulé la dernière fois, les gens l'ont pris en mal. Mais je suis contente parce que ce que j'avais décrit le jour où j'avais fait ma vidéo où le président Laurent Gbagbo partait à Sangon, dans ce discours-là, ça a été l'intégralité. J'ai dit que le président Laurent Gbagbo, là, lui, il a déjà fait son parcours. Lui, là, il n'y a pas quelqu'un qui va faire sa promotion. Un parti politique, c'est que les responsables du parti politique, là, chaque week-end, parce que ce que je n'arrive pas à comprendre, d'autres disent, ah, nous, nous nous sommes battus, hein. Ouh, on a souffert, on a tout perdu. Les gens luttent les postes. Les gens luttent les postes, mais ce n'est pas le président Laurent Gbagbo, là. Il ne va pas aller dans les urnes pour que chacun de vous puisse être élu. Ce ne serait pas son image. Lui, son image, là, c'est présidentiel. Il va être candidat, même s'il décide d'aller être maire chez lui à Mama, à Ouagadougou ou chose, à Ouagadougou, maire ou député, ça sera son image. Et puis lui, son image, là. Le président Laurent Gbagbo a déjà prouvé sa capacité de rassembler, a déjà prouvé sa capacité de diriger. Mais c'est vous, chaque responsable, parce que la politique, là, on ne donne pas. Ce n'est pas une procuration. Ce n'est pas une procuration. La politique, c'est le corps à corps. Vous avez un homme qu'on appelle le président Laurent Gbagbo, qui est déjà vendeur. Et le peuple de Côte d'Ivoire a confiance au président Laurent Gbagbo. Donc, c'était ce discours-là, moi j'avais dit la dernière fois. Et voici ça, le président Laurent Gbagbo vient me rejoindre. On est là, c'est dommage, peut-être que les gens vont dire, ah, Alette n'a pas le droit de dire. Parce que quand il est fini de parler là, ils vont me présenter, ah, oh, celle-là, des responsables qui sont dans le parti, qui ne font même pas de tournée, qui ne font même pas de raccordement, qui ne vendent pas le PPACI, qui ne font aucune promotion. Quand Alette Zaté parle sur la toile, oh, celle-là qui a insulté Simone Gbagbo. Ils vont auprès du président, oh, c'est l'insulteuse. Mais l'insulteuse publique là, elle aime le PPACI. L'insulteuse publique là, elle fait la promotion du PPACI. L'insulteuse publique là, elle demande d'aller dans vos villages parce que c'est là, bientôt. C'est en mars 2023, il y aura les élections municipales. Vous ne partez pas. Vous êtes assis à la direction. Ça veut dire que le seul endroit pour vous, c'est le siège, à la Riviera 2. On voit des calepins dans vos mains, vous avez des sacs comme ça, tout est là, vous êtes là comme ça. Oui, on vient de nous nommer, tu es dans quelle commission? Oh Joe! Et puis ils sont là, ils ont plusieurs portables. Tu vois, ils ont deux ou trois portables.
Et puis tu les vois, ils sont là, ils ont plusieurs portables. Et puis il y a d'autres qui sont nommés. Le congrès là, ça a eu lieu entre les 16 et les 17 octobre. Il y a d'autres qui sont nommés depuis. Le président Laurent Gbagbo a mis un mois pour faire les élections, pour faire les nominations. Ça, on laisse 2021 là. On est rentré dans 2022. Janvier, février, mars, avril. Ça est là. Ça fait 4 mois. Tous ceux qui sont nommés là, tu ne vas pas les voir dans leur région. Tu ne vas pas les voir dans leur fourrage. On dit, il y a fin d'année. On dit, il y a journée de la femme. Ils font discours, ils prennent photo. D'autres même, ils vont s'arrêter près de l'arbre de Noël. Mais ce n'est pas ça, on dit la politique. Et nous, nous aimons le président Laurent Gbagbo. Nous avons vu. Et puis, vous êtes là en masse. Ça veut dire que, au lieu d'aller dans vos villages, au lieu d'organiser des trucs, au lieu de faire, il y a des faits de société. On dit la cherté de la vie, c'est quoi? La responsable des femmes, celle qui a été nommée VP de la femme et de l'enfance, quoi? Elle fait qu'on dit cherté de la vie. Elle organise une conférence de presse. Ça veut dire que c'est l'actualité brûlante. Elle organise en tant que VP, le seul qui organise des trucs tous les jours, là. C'est l'ancien, j'oublie son nom, l'ancien, je vais me rappeler de son nom. Il a fait une activité même il n'y a pas longtemps, société civile. Et quand on parle, vous trouvez que, oh celle-là, moi je ne suis pas insolente. Parce que je ne vais pas revenir sur ce débat pour me justifier. J'étais là tranquillement sur la toile. Et je disais que, on ne peut pas insulter le président Laurent Gbagbo. Moi, Alex Zaté, c'est une parenthèse, je ne vais pas revenir dessus, mais il faut que je vous martèle ça dans votre tête. J'ai dit, moi, Alex Zaté, j'ai deux mamans. La petite maman, la grande maman et la petite maman. J'ai que deux mamans. Moi, je ne suis pas là pour faire la part des choses. Le fait que j'ai dit, j'ai deux mamans, on a commencé à m'insulter sur la toile. Mais le mot mercon que j'ai repris là, je n'ai pas été la première. Les gens m'ont insulté. Ils ont insulté ma mère même qui m'a mis au monde. Ils ont insulté mes enfants. Mais la personne, c'est pas elle qui m'a envoyé. Hein. Elle ne m'a pas envoyé. Elle ne m'a jamais dit de la défendre. Mais je me suis dit qu'elle était une personne, elle était humaine. C'est enfant de quelqu'un, elle a le sang qui circule en elle. Et donc, j'ai fait la réplique. Mais c'est ça que vous utilisez. Mais moi, j'ai fait la réplique là-haut. Je suis venue, je me suis excusée. Les autres ne sont pas excusés. Je ne cherche pas à me justifier. Mais aujourd'hui, vous qui n'avez pas fait la réplique, vous qui avez... Dosso, Charles Rodel, merci, merci champion. Touré Fabius, merci. Dosso, Charles Rodel, c'est lui, ça veut dire que tous les jours, il fait réunion, la société civile. Nos différents responsables, vous êtes là. Mais ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui a parti dans les urnes en 2023. Et ça, tu les vois sur la toile. Moi, au moins... Je me bats pour parler du PPACI, mais vous là, vous n'êtes pas en poste. Vous n'êtes pas au pouvoir. Mais vous vous battez que pour des postes. Vous vous battez pour avoir poste auprès du président Laurent Gbagbo. Or que le président Laurent Gbagbo vous envoie d'aller dans les villages. C'est le peuple. Le peuple maîtrise. Il est arrivé. Le temps qu'il fasse la tournée de tous les enfants de Côte d'Ivoire, il vous invite. Donc, quand j'ai vu ce discours, et quand j'ai lu, je me suis dit, oh, Alex Zaté, mais tu es dans la vision. J'ai dit, ce que j'ai dit, et puis on dit, oh, celle-là, c'est une insulteuse. Mais je le dis avec mon cœur. Parce qu'arrivé un moment, on a fini le congrès. Le peuple de Côte d'Ivoire est en attente comme ça. Et vous vous battez pour des postes. Toute votre promotion, là, ça se limite à l'arrivée de qui? Vous savez que vous faites Facebook au Facebook. Vous faites des photos, quoi. Au lieu de nous faire des photos de meeting, regardez, quand je vais parler, on va dire, qu'on a dit l'année dernière, on devait aller aux élections législatives. Moi-même, j'ai été surpris de voir que, au sein du parti même, il y a d'autres même qui peuvent, ça veut dire que, qui peuvent même investir dans leur campagne. Ils avaient des voitures 4x4. Ils parcouraient les villages. Il parcourait les villages pour aller. Parce que là, c'est pour le poste. Ça veut dire que vous êtes là. C'est le siège là qui est votre mobilisation. C'est le siège là qui est tout. Mais en 2023,
Vous allez partir faire palabre au siège, vous allez faire palabre aux gens, parce que vous n'allez pas partir sur le terrain, mais vous allez prendre l'image du président Laurent Gbagbo pour aller se promener. Oh my God! C'est pour cela que je dis, moi j'aime le président. Hé, hey, ma fille, oui, je suis sapée. Ta maman est sapée, c'est ta... Ta maman est sapée, c'est un cadeau royal même. Un cadeau royal. Donc j'ai mis ça ce soir, parce que mon père a dit... quelque chose qui m'a plu dans son discours. J'ai pris le temps et j'ai lu le discours du président Laurent Gbagbo et ça m'a plu. Et je dis que je suis dans la vérité. Je suis dans la vérité. Vous voyez, je suis dans la vérité. Chers parents, la politique c'est ça. Il y a des gens même, ils ont nommé. Ils sont aux alentours. Lui-même, il a dit. Ils sont aux alentours. Tu ne vas pas les voir. C'est des grands responsables. Je dis, 2023, c'est maintenant, ça se prépare. Ils vont te dire, oh, on n'a pas l'argent. Oui, c'est Stéphane Kipré qui a l'argent. Stéphane Kipré, là, on ne sait pas. Mais vous tous, à l'époque, là, vous étiez aussi président. Vous étiez aussi ministre Gbagbo Laurent. On vous a vu ici quand il y a eu, on dit, élection, députation, là. On vous a vu, vous avez les voitures 4x4. Vous êtes partis dans les villages pour aller faire campagne. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça. Et je veux saluer le président Laurent Gbagbo. Je veux saluer les personnes qu'il a nommées. Pour Gisèle, je veux la saluer. Moi, je ne peux pas mentir. Hein. Parmi les femmes, là, elles sont trois nommées bien. Mais il y a une là qu'ils ont nommée, ça ne me plaît pas. Mais je laisse pour moi à Dieu. Parce que celle-là, elle avait souhaité ma mort en prison. Elle avait souhaité ma mort en prison. J'ai les vidéos. Elle m'a dit qu'il fallait que je meure en prison. Mais je ne suis pas morte. Elle a menti sur moi. Pour dire que moi, quand j'étais en prison, chaque jour, elle me donnait 5-10 000 francs CFA. Elle donnait 10 000 francs CFA pour moi. Chaque jour. Non, je reconnais son dévouement pour moi. Mais elle ne m'a jamais donné 10 000 francs. Et le simple fait que je lui ai demandé, mais tu dis tu me donnes 10 000 francs. Je n'ai jamais reçu. Peut-être que si tu as donné 10 000 francs à quelqu'un, donne à la, dis-moi, je vais te dire merci. Elle m'a trouvé d'insolente et puis elle m'a dit, Simone a bien fait de m'emmener en prison et qu'il fallait que je meure là-bas. Le président Laurent Gbagbo, que moi, à l'aide Zaté, il dit, il ne faut pas, on va l'insulter. Qu'il est le meilleur. Et pour ça, je suis partie en prison aujourd'hui là. Elle est parmi les trois personnes. Mais ce n'est pas grave. Quand le président Laurent Gbagbo décide, moi, à l'aide Zaté, je valide. Mais pour moi, là, ça ne peut pas rester dans mon ventre. Parce qu'elle a souhaité ma mort. Elle a souhaité ma mort parce que j'ai défendu maman Nadine. Elle a souhaité ma mort parce que j'ai défendu le président Laurent Gbagbo. Et puis, je continue de le défendre. Et je continue de le défendre. Et je continue de promouvoir son outil. Et je continue de m'attacher à lui. Et pour ça, je dois dire, parce que pour moi, là, ça ne reste pas dans mon ventre. Il faut que je dise. Mais on ne vous demande pas. Et puis, malgré tout ça là, moi je dis, on me dit, et puis ces personnes là, c'est à cause de moi, elles ont grimpé, elles ont eu ce qu'elles voulaient aujourd'hui. Tu as souhaité ma mort. Mais moi je suis fière, je n'ai pas été nommée. Hein. Mais aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo t'a honoré parmi les trois femmes. Tu as dit, il fallait que je reste en prison parce que tu as menti sur moi. Tu as dit quand j'étais en prison, certes tu faisais les démarches, mais... tu me donnais 10 000 francs par jour, toi-même devant Dieu, devant les hommes. Moi, je ne sais pas mentir. Tu ne m'as pas jamais donné. La seule chose que tu m'as donné quand j'étais en prison, tu as fait recharge 2 000 francs pour moi dans mon téléphone. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne peux pas venir dire quelque chose. J'ai cité ton nom. Je ne peux pas venir dire quelque chose. Et puis, j'ai venu mentir parce que devant les gens, mais je te pardonne. Je te pardonne parce que je suis contente. Et déjà, le président Laurent Gbagbo t'a mis dans le secrétariat général. C'est que tu dis qu'elle n'a qu'à mourir. Et puis, elle parle toujours de Gbagbo Laurent. Et aujourd'hui, le président encore vient te donner cette faveur. Je suis contente. Je ne vais pas me fâcher. Je ne suis pas fâchée. Je suis assise à la même place. Je suis sincère. Mais le discours que le président Laurent Gbagbo a fait là, c'est ça qu'il a fait la dernière fois. C'est ce qu'il a dit. J'étais assise, mon cœur était gros. Parce que nous venons de loin. Les peuples de Côte d'Ivoire, les gens viennent de loin. Les gens ont donné de leur temps, de leur énergie, de leur cœur pour ce combat. Pas parce que
ce combat-là va leur donner des promotions. Pas parce que ce combat-là va faire d'eux des ministres des temps. Non. Parce que ce combat-là va rétablir la vérité. Et parce que le président Laurent Gbagbo, en lui-même, il a eu la vérité déjà. Le fait d'être retourné en Côte d'Ivoire, le fait qu'il a gagné sur la CPI, ça veut dire qu'il a rétabli notre souffrance et notre amertume. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, le discours du président Laurent Gbagbo me réconforte. Aujourd'hui, vous êtes là. Quand on dit Père Gbagbo, Laurent, quelque part, vous venez vous aligner. Et puis d'autres, même, ils se lèvent, ils vont faire mouvement de soutien. On dit d'implanter PPACI. On a nommé le président Stéphane Kipré, quand au président, vice-président qui s'occupe de l'implantation, ça veut dire que si tu as un problème, si tu as besoin d'un soutien logistique, tout, il est là. Non, vous ne faites pas ça, vous êtes assis. Vous êtes assis à Abidjan, vous faites photo. On dit journée internationale de la femme. La vice-présidente du PPACI n'est même pas en mesure de déclencher un truc. On dit cherté de la vie, non. C'est Rodel tous les jours qui fait. C'est Stéphane qui prend, dit non, lui on ne sait pas où il a trouvé son argent. Mais vous aussi, quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, là, vous étiez ministre, vous étiez à des postes de responsabilité. Comment vous avez fait? 2023, là, on doit avoir des maires qui pourront parler de la Côte d'Ivoire. Et je voulais vraiment saluer le discours du président Laurent Gbagbo. Et je voulais dire à ces femmes qui ont été choisi pour assurer l'intérim, malgré celle qui a menti sur moi, celle qui a souhaité ma mort. Elle a dit, je voulais que tu meurs en prison. Elle l'a dit haut et fort, il y avait témoin pour rien. Parce que je lui ai dit, hé, ma chérie, je suis en prison. Depuis là, je suis sortie, tu gardes mon nom. Toujours tu appelles mon tonton là, tu lui dis ça, j'ai fait quoi, je t'ai fait quoi. Je reconnais que tu as fait beaucoup de carburant pour moi. Je reconnais que tu as fait beaucoup de démarches pour moi. Ça, là, je reconnais. Mais tu dis que moi, je suis en prison tous les jours. Tu me donnes 10 000 francs CFA pour que je mange. C'est faux, ma chérie. Mais aujourd'hui, tu es assise. On t'a nommé. Jusqu'en vient, on vient te nommer encore. Mais Dieu, là, Dieu n'est pas Gaou. Gbagbo Laurent, si on se bat pour Gbagbo Laurent, c'est parce qu'on s'est battu pour une injustice. Et puis, il ne peut pas y avoir des opportunistes qui vont venir. Ça veut dire que d'autres personnes se battent, qui émettent des trucs de leur cœur, qui font des analyses de leur cœur. Et puis ces analyses-là tombent juste. Et puis vous les critiquez, vous les torpillez. Et puis quand on vous nomme, vous prenez. Je suis là. Je suis là. Mais je viens saluer le discours du président Laurent Gbagbo. Je viens saluer ça. Et je viens lui dire merci. Je viens lui dire merci. Et je voulais rappeler ça. Que Dieu n'abandonne pas le juste. Dieu soutient le juste. Dieu aime quelqu'un qui a le cœur. Et je dis et que je le redis. Le président Laurent Gbagbo a tout dit, hein, même à ceux qui sont à Paris ici. Il a dit que chacun n'a qu'un bâton de pèlerin. Ceux qui sont à Paris ici qui sélectionnent des gens. Il y a d'autres même, on a nommé dans le parti là, ils sont devenus représentants du parti communiste dans notre parti. Ça veut dire que le PPACI même là, on ne fait pas promotion du PPACI comme ça, hein, mais au niveau de Paris là, ça veut dire qu'on fait promotion du parti communiste entre nous. On sélectionne des gens. Et puis, ça se passe bien. Mais moi je dis, je suis toujours là. Je suis toujours PPACI, je le serai. La seule personne qui va faire que je ne vais plus faire politique là, c'est quand le président Laurent Gbagbo va dire qu'il ne fait plus politique. Donc je viens vous remercier. Donc je viens faire écho du message. Je viens faire écho du message pour vous dire que le président Laurent Gbagbo dit, n'attendez pas les élections, n'attendez pas les postes qu'on va vous donner. Mais maintenant là, la Côte d'Ivoire a besoin qu'on leur donne l'information. Le président Laurent Gbagbo est revenu le 17. Le 16 et le 17 octobre, il a créé un parti. Et nos parents qui sont au village là, beaucoup ne comprennent pas français. Donc chacun d'entre vous, que ça soit, regarde même à côté, j'ai ma maman Agnès Monet qui est à côté. Il n'y a pas tourné. Papa Monet est là. Maman Monet. Maintenant là même là, je ne vois. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Mais comment est-ce que en 2023 on peut gagner? On n'a pas, on n'est pas au pouvoir. On n'a pas l'argent. On ne fait pas du porte-à-porte. On ne va pas parler de la bonne nouvelle. On ne va pas dire aux gens que Gbagbo est revenu en chair et en os. Et puis on est là. On va gagner comment? C'est de ça il s'agit. Et j'ai dit ça la dernière fois.
Les papatons là sont allés dire oui, c'est l'insulteuse publique. Mais l'insulteuse publique là, elle a compris le combat du président Laurent Gbagbo. Et l'insulteuse publique là, elle ne s'est pas levée comme ça pour insulter quelqu'un. Je suis encore vivante. J'ai dit, moi, j'ai deux mamans, la grande maman et la petite maman. Et puis on dit, pourquoi je me suis assise, mon abonnement que je prends, que je paye, le prélèvement est sur mon salaire là. On dit non. On m'a traité de tout. On a mis la vie de mes enfants. Mon fils qui était dans le coma, on l'a insulté. On a insulté ma fille. Mais arrivé un moment, tu te défends. Je me suis défendue. Et puis j'étais une des seules ici sur Paris. Quand on a dit Côte d'Ivoire d'abord sur la toile là, il fallait oublier le président Laurent Gbagbo. Moi, je dis, on faisait vidéo sur moi. Au moins, si les gens ne faisaient pas, au moins 50 vidéos par jour. Et puis j'ai dit, on ne peut pas oublier le président Laurent Gbagbo. Je l'ai dit haut et fort. Et je savais le risque que cela comportait quand je partais à Abidjan. J'ai des amis qui n'ont pas voulu que je parte à Abidjan. Mais je suis partie parce que j'ai cette conviction que j'ai fait le bon choix. Et c'était le plus gros cadeau de ma vie d'aller assister au retour du président Laurent Gbagbo. Je l'ai fait haut et fort, sans avoir peur. Que de ça il s'agit. Donc, je suis venue vous rappeler que vous êtes allé me critiquer chez le président Laurent Gbagbo, chez son épouse, chez les gens là. Mais voici ce que j'ai dit la dernière fois là. Voici ça, le père même a repris en intégralité. C'est-à-dire que vous êtes allé parler, parler, parler. Et moi, en fait, il y a des gens qui ont ce don-là. Qui ont ce don-là d'analyser. Qui ont le don d'anticipation. Ce n'est pas jalousie. Oh. Moi, là, je ne vais pas me mettre en bas de. Je ne connais pas le président Laurent Gbagbo là. Peut-être qu'on va lui dire un jour, c'est qui? Il ne me connaît pas. Même sa femme même. Mais c'est le don d'anticipation. Parce que j'aime la chose. J'aime le combat du président Laurent Gbagbo. Et j'aime la clarté de son combat. J'aime la pureté de son combat. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. J'aime la clarté, la pureté de son combat. Dieu a dit, nous sommes dans un combat de justice et de vérité. Il y a trop d'opportunistes qui tournent. Il y a les gens. C'est maintenant là. Et vous aussi. Donc, je vais vous dire que vous m'avez insulté la dernière fois. Vous avez dit que oui, je suis patrie. Oui. Non. Le PPACI, là, j'aime tellement le PPACI que j'aime tellement le combat du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, je l'aime en tant qu'homme politique. En tant que quelqu'un qui a enduré. Quelqu'un qui a de la résilience. C'est de ça. Peut-être que je parle fort et mon son vous dérange. Je parle dans la pureté parce que je n'attends rien de quelqu'un. Si aujourd'hui là tu toques à ma porte, tu dis je m'aime, tu m'aimes. Je dis Dieu merci. Tu me dis tu m'aimes pas, je dis Dieu merci. Mais ça ne peut pas m'empêcher d'aimer le président Laurent Gbagbo. Ça, je vous le dis. Donc, je voulais vous dire merci. Et puis, je veux saluer la petite Zanda. Elle est Gagou Bondoukouen. Donc, je veux saluer cette jeune fille-là qu'on a nommée pour l'intérim de la Ligue des Jeunes. Vraiment, que Dieu te garde. Et puis, je vais parler dans ton ethnie. En tant que fille, bon, je suis ta maman. Mon fils, parce que mon grand-fils, mon premier fils a 32 ans. Donc, tu es ma fille. Je vais te bénir. Le président Laurent Gbagbo, à travers toi, vient d'honorer le peuple Gban, le peuple Gagou. Je veux te saluer, ma fille. Je veux te dire que tu as toute la bénédiction du peuple Gban. Sonaye, président Gbagbo, Néa Zenenimo, Bele Nouetato, c'est seulement mon intérim, mais c'est de quoi, Koglonouene, ça dit que très est sauton, que Gban, Fofo, tout, ça dit que. Ça, tu as le sac, ben l'église, ça, pour tout, au défunt. Aïe, que saka, 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 saka. Mais il y a banque, il y a banque, il y a lettre ecclésiale, il y a zion, ou défunt, ou il y a nous faire un animal, ou défunt, pas bon, Laurent, bon. Et que bon là, là, mais bon, ni bon. Ou au bas, ou lié. Ou faut tout, ou au quacon, ou au bas, ou lié. Là, il est, ou défunt, pas bon, Laurent, bon, non. Donc, ma fille, je veux te bénir, Nova. Je ne savais pas que c'était Gagou. C'est hier, là. J'étais là, on me dit, ah, c'est une petite fille Gagou. C'est sa maman qui est de Bondoukou. Son papa est bon. Et puis en même temps, du canton de ma maman. J'ai dit, je te salue, ma fille. On va te soutenir.
On va partager tes activités. On va t'accompagner. On va relayer les informations de la jeunesse. Parce que le travail que tu vas faire là, c'est de poser les bases, les sillons. Aller dans les villages, poser les bases et les sillons d'une vraie Côte d'Ivoire, d'une Côte d'Ivoire apaisée, où l'homme politique qui est le président Laurent Gbagbo, qui ne présente pas d'armes, qui ne présente pas de machettes, qui ne présente pas la prison, ça veut dire qu'il ne donne pas, ça veut dire que ce n'est pas la prison, il ne distribue pas les cadres de prison aux gens. Donc ma fille, on va te soutenir, on va te porter. Et le peuple Gbang va t'accompagner dans ce combat-là, parce que tu es digne, parce que tu as choisi le bon homme politique qui est le président Laurent Gbagbo. Et je veux saluer aussi ma chérie Gisèle. En tout cas, c'est le peuple entier qui est dans la joie. Et je pense que les choses sont au point mort. Je pense qu'au niveau d'Abidjan, une fois de plus, le président Laurent Gbagbo réitère sa fidélité, le respect, la considération qu'il a pour le peuple Gbang. Et Gisèle, ce que tu vas faire, tu vas reposer les bases. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un parti fusionné. Où le PPACI est un parti fusionné, un parti qui se reconstruit, un parti qui fait une mutualisation avec d'autres partis. Donc la tâche que tu vas élaborer, elle est lourde, elle est grande. Mais tu as la bénédiction. Tu as nous autres la notre bénédiction. Nous autres qui aimons le président Laurent Gbagbo sans intérêt. Nous autres qui ne critiquons pas dans le noir et puis quand on nous nomme, on ne crache pas dessus. Nous autres qui disons que Gbagbo n'a qu'à vivre et pour ça on nous amène en prison. D'autres disent on devait mourir en prison et puis on les nomme et puis ils sont d'accord, ils prennent et puis ils font que des photos là. Il faut que tu fasses un bon travail. J'ai confiance parce que tu es avec Ipou. Nous vous encourageons, nous vous accompagnons et nous serons sur la toile pour partager vos activités. Nous serons sur la toile, même si on n'a pas, on dit, c'est moi mes vidéos là, c'est caché, regardez, quand il est fini, je suis à 1000 vues, 2000 vues, les gens viennent après. On aura l'occasion de partager. Allez-y parcourir les villages, allez-y dans les hameaux, allez-y faire la promotion du PPACI et dire au peuple de Côte d'Ivoire que le président Laurent Gbagbo est venu avec la bonne parole, la parole du vivre ensemble, la parole où la prison ne sera pas une résidence secondaire pour chaque Ivoirien. C'est de ça il s'agit. Donc, que Dieu vous accompagne. C'était mon petit message. Je ne pouvais pas voir un texte aussi riche où ce que j'avais dit. Et puis, le président Laurent Gbagbo a parlé propre. C'est de ça il s'agit. Et puis, maintenant, les gens disent, oui, l'instituteuse publique. Mais eux-mêmes, ils sont dans le comité de contrôle. Là. Tous les jours, ce sont eux qui viennent faire palabre sur la toile. Moi, au moins, j'insulte pour venir faire la promotion du parti et du président Laurent Gbagbo. Et lui, c'est le président Laurent Gbagbo qui est notre marchandise. Là, c'est le paquet Guine. Lui, il se vend. Quand tu te colles à lui, là, tu en as. Tu n'as pas besoin de faire promotion. C'est de ça il s'agit. Donc, faites tous comme Rodel. Rodel, là. Et je suis là. J'ai dit, je suis là. Moi, je suis là. Ce que le président Laurent Gbagbo fait, moi, j'accepte. Je suis là. Mais si j'ai des choses à dire, je dirais, je suis là. Moi, je ne suis pas militante. Je ne suis pas militante fonctionnaire. Donc, façon, au mois de juillet, là, chose, au mois de mars, vous étiez beaucoup dans les villes pour aller faire campagne législative, là. Maintenant, le président Laurent Gbagbo lui-même, il a donné le bon discours. Les samedis, là, rentrez dans vos villages. C'est là-bas, quand on quitte là-bas, là, quand vous allez avoir la voix du peuple, là, vous allez être maire, vous allez être député, et puis quand on va prendre le pouvoir, là, parce que c'est ce peuple-là qui va faire que le président Laurent Gbagbo va prendre le pouvoir là. Et puis on va vous nommer directeur, ministre, tout. Maintenant, nous autres là, nous les instituteurs publics là, si vous nous voyez là, mettez la poussière sur nous. Voici quelqu'un qui a menti sur moi, qui me donnait 10 000 francs. Et comme elle a fait un réseau autour. Ah oui, Arlette, oui, elle est conflictuelle. Oui, Arlette, elle n'est pas reconnaissante. Oui, mais Arlette, elle a horreur du mensonge. Je suis reconnaissante. Arlette, elle est reconnaissante jusqu'à demain matin. Et puis quand je donne ma parole à quelqu'un là, je tiens. Quand je dis toi là, tu es pour ma personne là, tu es ma personne jusqu'à... Même le jour c'est fini, même si tu veux plus de moi là, je ne vais pas chier sur toi. Tu es ma personne jusqu'à ce que Dieu me rappelle. C'est comme ça, Jésus. Mais je n'aime pas les foutaises. Et je n'aime pas le mensonge. Mais il faut savourer le bonheur. Parce que c'est grâce à moi aujourd'hui tu es arrivé où tu es arrivé. C'est grâce à moi tu as dit que je devais mourir, que je suis orgueilleuse. Je n'ai pas pris le temps. On te dit, tu es là, tu emmerdes les gens. On t'a demandé d'aller demander pardon à Simone.
tu n'as même pas eu l'occasion d'aller lui demander pardon. Et puis tu lui dis, hey, ma chérie, j'ai dit tu ne m'as pas donné rien. C'est ça qui m'envoie le discours là. Mais aujourd'hui là, tu es dans le secrétariat général. Aujourd'hui là, Gbagbo Laurent vient te donner la force. Mais moi, tu as dit de mourir en prison là. Moi là. Mais voici, moi j'aime Gbagbo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous accompagne dans le combat. Maintenant, le président Laurent Gbagbo, nous on est là, hein, on va relayer vos informations. Arrêtez de nous faire des photos près des sapins. Arrêtez de nous faire des tests. Le président Laurent Gbagbo dit, chacun n'a qu'à aller dans son village. Si tu as Mankono là, les week-ends, là, prends, il faut partir. Si tu es à l'épée là, les week-ends, là, il faut partir promouvoir le PPAC. Et puis, il faut aller expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que le PPAC. Tout le monde ne sait pas lire. Même si les gens parlent français, là, il y a des gens qui sont autodidactes. Ils ne savent pas. Allez-y expliquer. Pour que, en mars 2023, là, les municipales, là, ça veut dire que mairie, là, qu'on ait beaucoup de mairies parce que vous aurez fait du porte-à-porte. Et puis vous parlez de Stéphane Kipré. Oui, c'est... Mais Stéphane Kipré, de la façon Gbagbo Laurent était au pouvoir il y a 10 ans là. Et puis lui, il a pu garder ses moyens là. Mais c'est de la même façon, vous aussi, vous étiez maire, vous étiez député, vous étiez ministre, vous étiez tout. Allez-y dans vos villages. Allez-y nous donner des voix. Et puis, on va venir au pouvoir. C'est ce qu'on vous demande. Donc, je vous aime. C'est moi. C'est moi tout simplement. Et puis ceux de Paris là aussi là, on dit de promouvoir le PPACI, on n'a pas dit de promouvoir le Parti communiste. On est fatigué de parler tous les jours du Parti communiste. Quand on vous a nommé là, on dit PPACI, venez parler de PPACI. Qu'est-ce que PPACI peut faire? Ici là, le Parti communiste là, c'est pour les Français. C'est pour les Français. Donc, laissez affaire des partis communistes là. Venez parler du PPACI, venez rassembler, venez ratisser l'âge. Moi j'ai dit, hein, j'ai dit, les gens que j'ai offensés avant là, moi je ne fais plus parler avec quelqu'un. Parce que il y a un truc qu'on appelle le PPACI qui est pour toi, qui est pour moi. Venez, on va parler de la Côte d'Ivoire réconciliée. Où on parle du vrai. C'est pas les politiques sur le mensonge, sur le faux, sur la manipulation. Non, c'est du vrai. Donc c'était mon message d'aujourd'hui. Vous avez vu ce beau boubou en dentelle. Vous avez vu la qualité de la dentelle? C'est ça, c'est la qualité. Et puis, je vous salue. Je suis la fille Ban Bété Maoua. Et puis, c'était moi. Je ne pouvais pas laisser ce discours que j'avais vraiment imaginé. J'étais sortie comme ça de façon spontanée. Et puis je vois, je dis waouh. Donc moi-même là, les gens m'ont accusé pour rien. Les gens m'ont critiqué pour rien. Gars, ce que j'ai dit là, c'était en prévision de ce qui allait arriver. D'ailleurs, j'étais toujours dans l'anticipation comme d'habitude. Que Dieu nous garde. Je vous aime.